Yo tout le monde, c'est Loué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God of War. Sur ce, bon visionnage. Arrêté au milieu de l'histoire l'autre fois. Ah bon? Oh oui! L'histoire du géant Bergelmir commence dans une mer de sang. Enfin, une histoire digne d'intérêt. Si tu te rappelles, Ymir, le premier géant, a été mortellement blessé par Odin. C'est dans son sang que commence notre histoire. Les entrailles magiques d'Ymir se déversèrent dans un torrent si violent qu'il faillit submerger toute la création. Les Jötnar furent pris de court. Et la vague infinie les emporta tous, jusqu'au dernier. Avec Ymir, c'est toute la race des géants qui allait disparaître. Et ainsi, la victoire d'Odin aurait été totale. Mais Ymir et les siens ne moururent pas tous ce jour-là. Se maintenant à flot dans le tronc d'un arbre creux, le géant de glace Bergelmir survécut, ainsi que sa femme. Des semaines durant, ils naviguèrent, jusqu'à atteindre enfin une nouvelle terre. Ils l'appelèrent Jotunheim, et y commencèrent une nouvelle vie. En tant que père et mère, ils procréèrent à outrance, et en tant que roi et reine, ils œuvrèrent à faire de Jotunheim une terre où les géants n'auraient d'autres maîtres qu'eux-mêmes. Bergelmir ne chercha jamais à se venger du massacre. Il prit sa revanche en vivant et en prospérant. Il mourut en paix, avec une nation de géants pour le pays. Il resterait dans l'histoire comme Bergelmir le bien-aimé. Bergelmir le bien-aimé. J'ai jamais entendu d'histoire vraie. Se terminant comme ça. Elles sont rares, en fait. Quelque chose.
dragon. C'est celui de Baldur, c'est ça? Oui. Tu l'as terrassé pour me sauver. C'était très héroïque. Mimir, si tu nous racontais l'histoire du géant qui avait volé le marteau de Thor. Avec plaisir, fiston. Elle concerne aussi notre amie Freya, même si elle croit qu'elle apprécierait qu'on lui rappelle cet épisode. Ce géant s'appelait... Trim. Tu sais quoi? Je te la dirai plus tard. Bon, tu te souviens? J'ai commencé à te raconter une histoire tout à l'heure. Il fut un roi géant de glace du nom de Trim. Et il se montra assez astucieux pour s'emparer de Mjolnir, alors que l'idiot du tonnerre dormait. Malheureusement pour Trim, il ne pensait pas toujours avec sa tête. Bien qu'il eût privé le plus grand tueur de géants de son arme la plus formidable, il offrit de la lui rendre en échange de la main de Freya. À cette époque, Freya était l'épouse d'Odin. Mais Odin l'aurait volontiers échangé contre de l'hydromel assez fort. Mais il vit là une opportunité. Le palais de Trim se trouvait à Jotunheim, dont seul le géant connaissait l'emplacement. Pour procéder au mariage, il devrait escorter Freya jusqu'à leur royaume. Donc, Odin obligea Freya à dissimuler Thor grâce à sa magie séisre, afin qu'il puisse la suivre et infiltrer Jotunheim. Lorsque le marteau fut présenté comme dot de mariage, Thor surgit. Thor s'empara de Mjolnir et fracassa sans plus attendre le crâne de Trim, puis s'en prit à tous les autres géants venus pour les réjouissances. La seule personne qui put y mettre un terme fut Freya, qui refusait de cautionner ce carnage. Elle lança un puissant sortilège qui les expulsa tous les deux de Jotunheim, sans possibilité de retour. Odin était furieux, lui qui espérait s'emparer de Jotunheim après que Thor y fût entré. Oh, sa vengeance serait terrible, Freya. Quelle est la morale de l'histoire, tête? Pour Trim, la morale de cette histoire fut qu'il fallait s'en tenir à ses priorités. Pour Freya, que faire le bien avait un prix. Pour Thor, que nul objet de pouvoir ne fait ce que l'on est. Et que si l'on est le plus grand crétin sanguinaire des 9 royaumes, personne ne peut rien y faire.
Qu'est-ce qui est arrivé ici? Je ne suis pas tout à fait sûr, jeune maître. Elle était abandonnée bien avant que Jormungandr arrive et inonde tout. Je me demande comment c'était de vivre ici. Come on!
ici! Regarde ça.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde.